Le Burkina l'a bien mérité, selon le sélectionneur national qui s'est exprimé à la fin du match au cours d'une conférence de presse. Une victoire des étalons que Kamou Malo a dédiée à l'ensemble du peuple burkinabé. Le résumé de la conférence avec Alain Didier Compaoré depuis Cameroun. Lentement mais sûrement, Kamou Malo et les étalons sont en train d'écrire l'une des plus belles histoires du Burkina Faso en une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir brisé le rêve des Panthères en huitième de finale, c'est le tour des aigles venus de Carthage de subir l'envie, le courage et la détermination des étalons en se faisant éliminer en quart de finale. Une qualification en demi-finale pour rendre hommage au peuple burkinabé. Permettez-moi, avant tout propos, de dédier cette qualification à notre peuple que vous savez traverse des moments difficiles, même si la situation est stable de nos jours. Je profite en tout cas de cette tribune pour rendre hommage à ce peuple qui, malgré tout, reste debout. Et je dis que notre équipe est à l'image de notre peuple. Et pour Kamou Malo, parvenir à ce stade de la compétition n'est possible sans la cohésion et l'esprit de famille du groupe. Je pense que c'est la qualité de vie du groupe qui nous a donné en tout cas cette force. Alors vous voyez qu'il est très important justement de ne pas constituer une équipe, un groupe de stars, mais un groupe de jeunes garçons capables de vivre ensemble parce que c'est un mois durant et ce n'est pas aussi simple. Je pense que nous avons ici ce pari. À cela s'ajoute le soutien indéfectible des autorités administratives, coutumières et de la population de Garoua. Et je pense que nous sommes venus, nous avons volé ces supporters. Ils nous ont supportés simplement pas à nous, simplement pour le peuple burkinabé. Et c'est le lieu, en tout cas, de les saluer. Et nous ne sommes pas sentis orphelins. Pour le sélectionneur national de la Tunisie, son équipe a manqué de baraka, d'où une victoire méritée des étalons. Ils ont réussi à marquer une occasion au niveau de la première période, mais malheureusement il y avait 35 minutes, toute une deuxième mi-temps pour revenir au score. Les joueurs ils ont fait tout pour revenir au score au niveau des canages sur les côtés. Et ce qui nous a manqué c'est la dernière passe, la réussite au niveau de la finition. On méritait de revenir un partout, mais grosso modo la deuxième mi-temps était un peu juste. Les joueurs, ils ont tout donné, mais au niveau des phases offensives, on n'a pas concrétisé ces occasions. L'équipe de Burkina n'a pas volé la victoire. Et nos joueurs, ils ont tout donné pour revenir au score. Malheureusement, on n'a pas su faire ça. Qualification en poche, c'est sans complexe et sans pression aucune que Kamou Malo et ses hommes attendent de savoir leur adversaire en demi-finale dans le match qui oppose le Sénégal à la Guinée équatoriale.